Yo tout le monde, c'est Vit, j'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va plutôt bien les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo information comme vous les aimez sur GTA V, pour cette fois-ci parler d'un tout petit sujet qui sera la très fameuse configuration requise pour pouvoir jouer en 4K à GTA V Online PC. Je vous avoue que pour profiter de la 4K à 60 FPS, ça va vous revenir vraiment très cher, car vous aurez besoin soit d'une SLI Nvidia ou d'une Crossfire AMD, matériel qui comme vous le savez est vraiment très coûteux. En revanche, pour profiter d'une qualité quand même qui reste vachement excellente, mais avec un IPS moins élevé, qui sera de 30 FPS en 4K, il faudra être équipé au minimum d'une AMD HD 7870 ou d'une Nvidia GTX 760 de 2GO de mémoire minimum pour pouvoir être en extase visuelle devant la 4K de GTA V sur PC. Il est aussi de toute logique qu'un écran compatible 4K sera nécessaire pour bénéficier de cette qualité juste exceptionnelle. Concernant les configurations requises et recommandées classiques pour GTA V PC, je vous invite à les consulter en cliquant sur la notation qui s'affiche à l'écran. C'est une vidéo précédente que j'ai fait il y a quelques semaines. À moins de 3 jours de la sortie du jeu, je tiens à rappeler que si vous n'avez pas encore préchargé le jeu, je vous invite fortement à le faire pour commencer à jouer dès le 14 avril, midi, heure française. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, lâchez un petit like ainsi qu'un commentaire pour me dire si oui ou non vous possédez cette bête de course qui vous permettra de faire tourner le jeu en 4K. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, dites-moi quand même dans les commentaires votre config et si oui ou non vous allez jouer à ce fameux jeu GTA V sur PC. Et comme à mon habitude, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je rappelle qu'aux 3000 abonnés, je lance un gros concours pour emporter des accessoires gaming, des jeux et plein d'autres trucs sympas. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao les gamers.